Comme vous le dites, il y a plus d'une décennie maintenant que le Sahel est en feu, une zone en ébullition. Ce qu'il faut dire, c'est que les groupes armés terroristes, bien souvent, qui ont commencé par attaquer par le nord du Mali, qui aujourd'hui sont en train d'étendre leurs actions au-delà du Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, et même maintenant, ils veulent aller plus loin pour vers les pays côtiers de la Guinée. Ces groupes armés, certes, ont leur agenda propre, mais en même temps, ils servent d'alibi pour l'intervention militaire des grandes puissances, notamment la France au Sahel. Et comme je l'ai dit en introduction, ces interventions militaires sous couvert de la lutte contre le terrorisme permettent d'installer des troupes militaires, de contrôler des territoires et de pouvoir, par la suite, piller les ressources minières stratégiques dont regorge le continent africain, en l'occurrence les pays du Sahel en Afrique de l'Ouest. Alors, dans le cas du Burkina Faso, vous nous avez dit tout à l'heure, près de 40% du territoire est occupé par, évidemment, ces groupes terroristes. Maintenant, je suppose que les Burkinabés ont conscience désormais de ce qu'ils vivent, le danger qui guette le pays, ils sont conscients de tout ce qui se passe. Alors, comment arriver à mettre terme évidemment, à ces incursions, à ces groupes armés qui, ben voilà, d'un côté, l'armée est très faible, vous l'avez démontré tout à l'heure, de l'autre, il y a la population qui peut prendre ses responsabilités, mais avec une première expérience que vous nous avez expliquée de 2014, où après, bon, elle a perdu sa victoire. Que faire pour mettre terme à ces groupes armés? Ben, les gens le disent, hein, on va arrêter de fuir, on va faire face, on va s'organiser. Ils réclament même, ils demandent même qu'on leur donne les armes pour qu'ils puissent mettre en place des systèmes d'autodéfense et faire face. Et non seulement ils le disent, mais ils organisent des manifestations pour ça. Y compris même les populations déplacées, ils font des meetings où ils disent, voilà, nous, notre objectif, c'est de retourner chez nous dans nos foyers, reprendre nos maisons, reprendre notre vie, travailler dans nos champs, s'occuper de nos bêtes, etc. Donnez-nous les armes pour qu'on se batte. Quelle analyse faire du retrait des troupes militaires françaises, suédoises et britanniques avant l'annonce officielle, bien sûr, du retrait de la force Barkhane du Sahel en novembre dernier? Est-ce une réelle prise en compte de la préoccupation des Africains qui ne souhaitent plus voir ces troupes étrangères sur leur sol ou juste un retrait tactique, comme qui dirait, reculer pour mieux sauter? On en parle sur ce plateau avec Monsieur Dragos Ouedraogo, cinéaste engagé. Vous êtes anthropologue, expert associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, Université de Bordeaux. Vous êtes aussi enseignant et chercheur à l'École de hautes études en santé publique de Bamako. Nous sommes là au Mali. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vous en prie, Monsieur Ouedraogo, et merci de votre disponibilité pour cette interview. La crise sécuritaire au Sahel, vous l'avez probablement compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cela qui sera au centre de cette interview. Merci d'ailleurs d'avoir encore accepté et d'avoir plutôt choisi Teller TV pour ce numéro de Droit de savoir. Monsieur Dragos Ouedraogo, le sang des Africains a coulé, beaucoup coulé, et continue à couler d'ailleurs jusqu'à maintenant. On parle d'une crise sécuritaire dans le Sahel due au terrorisme. C'est la version officielle qu'on nous donne. Cet ennemi invisible, le terrorisme, on en parle un peu depuis deux décennies, qui prend finalement des proportions de plus en plus inquiétantes au Sahel. Voici pratiquement
une décennie déjà, s'il faut dire, sinon plus d'une décennie. D'aucuns diront que tout a commencé depuis la déstabilisation de la Libye avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. Quelle analyse faites-vous de manière générale, bien entendu, de la crise sécuritaire au Sahel? La crise sécuritaire au Sahel a plusieurs dimensions. Et il faut aussi comprendre les causes et les acteurs, les enjeux. Alors, pour comprendre cela, il faut voir la situation géostratégique des pays du Sahel. Les pays du Sahel, Sahara, l'Afrique de l'Ouest, sont aujourd'hui au centre des intérêts géostratégiques et économiques des grandes puissances. Et notamment l'ancienne puissance coloniale, la France, qui est aujourd'hui dans une phase de déclin et qui se trouve menacée et concurrencée par des rivaux qui eux aussi s'intéressent à cette zone qui a été longtemps le précaré de la France, en tant que ses anciennes colonies. Aujourd'hui, avec la crise économique mondiale, la conquête des marchés, la conquête des territoires est devenue un enjeu fondamental dans les rivalités entre les grandes puissances et le continent africain, que d'aucuns aiment dire aujourd'hui que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique, mais ils le disent du point de vue de la logique des profits. Donc, tous se ruent sur ce continent pour pouvoir contrôler les territoires et aussi accaparer les ressources minières stratégiques dont ils ont besoin pour leurs économies, pour leurs industries, y compris dans les secteurs de technologie de pointe. Monsieur Ouédraogo, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation dans le monde est cristallisée par le conflit en Ukraine et ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines puissances se mettent à la recherche comment compenser l'énergie qu'ils ont perdue quelque part. Mais la crise au Sahel a commencé depuis bien une décennie. Et à ce moment-là, il y avait pratiquement une seule puissance qui était en vue sur le terrain pour tenter, entre guillemets, de défendre les pays du Sahel. Voilà, donc je situe quand même le contexte dans lequel cette crise se déroule parce que ça permet de mieux comprendre les enjeux. Et comme vous le dites, il y a plus d'une décennie maintenant que le Sahel est en feu, une zone en ébullition. Ce qu'il faut dire, c'est que les groupes armés terroristes, bien souvent, qui ont commencé par attaquer par le nord du Mali, qui aujourd'hui sont en train d'étendre leurs actions au-delà du Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, et même maintenant, ils veulent aller plus loin pour vers les pays côtiers de la Guinée. Ces groupes armés, certes, ont leur agenda propre, mais en même temps, ils servent d'alibi pour l'intervention militaire des grandes puissances, notamment la France au Sahel. Et comme je l'ai dit en introduction, ces interventions militaires sous couvert de la lutte contre le terrorisme permettent d'installer des troupes militaires, de contrôler les territoires et de pouvoir, par la suite, piller les ressources minières stratégiques dont regorge le continent africain, en l'occurrence les pays du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Ces groupes armés qui ont d'abord commencé par occuper le nord du Mali en 2012, ce sont aussi, ils ont utilisé des failles, des faiblesses aussi structurelles des États qui n'avaient pas une présence importante, l'absence de l'État dans des zones reculées des pays. Ce sont des zones où
Les populations, parfois, n'ont même pas l'impression qu'ils appartiennent à un pays, parce qu'il manque des services sociaux de base, il manque des infrastructures, il manque des structures de santé, des structures d'éducation, et c'est des Oui, mais zones. quel est réellement, Monsieur Ouédraogo, quelle est la relation entre le terrorisme et ces failles, par exemple, que vous êtes en train de citer Justement, aujourd'hui? le lien, c'est que ça leur a permis de s'installer dans ces zones-là et d'occuper ces territoires pour leurs activités, leur trafic, et puis essayer d'étendre leur influence. Bon. Et c'est aussi, ce sont des zones où si des jeunes sont désœuvrés, n'ont pas d'activité économique, n'ont pas de formation, n'ont pas d'éducation, c'est des proies faciles pour les recruter. Et en agitant l'idée que de toute façon, on ne s'occupera de vous, donc nous, on va vous donner de l'argent, vous allez travailler pour nous. C'est comme ça qu'ils ont pu recruter aussi, en jouant sur justement la faiblesse, la faible présence des États dans ces régions, dans ces zones, et surtout le manque d'activité économique qui permet à des jeunes de travailler, de se sentir utile, et de ne pas être la proie facile de ce groupe armé. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, Monsieur Ouédraogo, que le terrorisme se sert finalement des nationaux, c'est-à-dire des populations un peu marginalisées par l'État, j'allais dire. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, c'est ça? Aujourd'hui, plus de 70% des membres de ce groupe armé, ce sont des nationaux. En tout cas, dans le cas du Burkina, c'est ça. Ils recrutent. C'est des zones où, par exemple, le nord, le centre-nord du Burkina, c'est des zones où les jeunes sont désœuvrés, n'ont pas d'activité. Monsieur Ouédraogo, Oui. à vous écouter, et je disais tout à l'heure, c'est une question qui s'est posée, quelle appréhension avez-vous de ce concept terroriste? Est-ce que pour vous, c'est vraiment du terrorisme ce qui se fait au Sahel, ou bien ce sont des mercenaires qu'on a armés pour essayer d'entretenir un climat de terreur, de trouble dans le Sahel, pour favoriser évidemment le pillage, comme disait quelqu'un, des ressources naturel. Oui, c'est les deux, parce que c'est effectivement, ils sont en mission commandée. Et on sait aujourd'hui de façon évidente des sources, des informations précises, même les populations dans ces zones-là voient très bien leur lien avec, par exemple, la force Barkhane, l'armée française, avant qu'ils quittent le Mali. Il y a eu des situations multiples où les gens ont vu la complicité. Et aussi, notamment dans le nord du Mali, l'armée française avait des liens, mais vraiment évidents, avec un groupe armé qui s'appelle le MLNA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Eux, c'est un mouvement touareg, mais on sait que leur création, leur armement, leur financement, ça vient de la France. Et ils ont utilisé ces gens pour déstabiliser et puis créer un chaos qui permet ensuite aux puissances impérialistes de venir s'implanter et mener leur agenda. Donc, effectivement, ce sont des mercenaires, mais les actions, leur mode opératoire, c'est des actions terroristes. Parce que aller jeter des bombes dans une mosquée, aller jeter des projectiles sur des femmes qui vont chercher de l'eau au puits, aller massacrer les gens dans une administration, aller tuer les gens dans une école, c'est des actions terroristes. Donc le Alors mot. donc, Dragos Ouédraogo, on peut penser que ce qui s'est passé en Libye était un programme savamment étudié. Il fallait d'abord déstabiliser là-bas et puis finalement envahir le Sahel. Donc ça a été fait exprès, c'est cela. Bon, je ne peux pas dire comme ça, mais vous savez, quand les grandes puissances décident une action, ils l'ont préparée. Ils l'ont préparée et ils ont des objectifs. Maintenant, ils n'ont pas la possibilité non plus de tout prévoir.
ne sont pas des magiciens non plus. Mais ce que nous nous observons, les conséquences des actions qu'ils ont menées en déstabilisant la Libye, a favorisé la déstabilisation de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel. Là, alors, mais quand ils agissent, par exemple, au Burkina Faso, parlons du Burkina Faso, au Burkina Faso, par exemple, que viennent chercher les terroristes? Là aussi, les actions des groupes armés terroristes ont commencé au Burkina en 2015. 2014, il y a eu une insurrection populaire de grande envergure au Burkina, qui a chassé le dictateur Blaise Compaoré et son clan. Le clan mafieux de Blaise Compaoré avait des liens avec ce groupe armé. Il servait d'intermédiaire pour négocier les rançons pour les otages. Certains de ces groupes armés avaient le Burkina comme base arrière, protégé par le régime Compaoré. Les grands chefs de certains de ces groupes, ils étaient dans les somptueuses villas de la résidence qu'on appelle Ouagadougou. Ils avaient construit à une année où le Burkina recevait le sommet des chefs d'État africains. Ouais. Et désormais, c'est des villas à disposition. Et certains des chefs étaient là-bas. Il y avait des liens étroits. Donc, à partir du moment où le régime Compaoré a été chassé par l'insurrection populaire, il y avait comme il fallait punir ce pays, ce peuple qui a osé défier le système néocolonial, qui a osé chasser un des pions de la France-Afrique. Vous êtes en train de nous dire que finalement, ces terroristes travaillent de connivence avec les États, certains États africains, c'est ça? Bien sûr. En tout cas, dans le cas du Burkina, le régime Compaoré avait des liens avec ce groupe armé terroriste. C'est pour ça que on leur a enlevé leur base, une base importante. Donc, il faut déstabiliser ce pays. Et en même temps, cette déstabilisation ferait l'affaire aussi les grandes puissances qui ont vu un peuple se soulever, s'insurger, et qui peut servir d'expérience pour les autres peuples dans la sous-région. Donc, certes, les groupes armés ont leur agenda, mais ça sert aussi les intérêts de ceux qui ont intérêt à créer le chaos, à déstabiliser un peu pour empêcher sa marche vers la souveraineté, vers sa libération. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de l'insurrection de 2014, lorsque les Burkinabés s'étaient levés pour chasser le régime du dictateur, vous avez dit, Blaise Compaoré. Que s'est-il passé pour que finalement les Burkinabés perdent encore cette victoire? Bon, vous savez, dans la lutte des peuples, il y a des avancées, il y a des mouvements importants, mais qui ne débouchent pas forcément sur une victoire complète. Donc, pour ce qui concerne le mouvement insurrectionnel, il a réussi à chasser le dictateur, Blaise Compaoré et son clan mafieux, mais il n'a pas été jusqu'au front, c'est-à-dire démanteler tout le système. Tout le système qui est mis en place, parce que c'est un mouvement qui s'est déroulé, les gens avaient les moyens de bord, ils avaient les mains nues. En face, il y avait un appareil d'État, il y avait une armée, il y avait le régiment de sécurité présidentielle, et il y avait aussi les soutiens des grandes puissances, notamment de la France. Donc, le mouvement n'a pas été jusqu'au fond pour démanteler tout cet édifice de ce système néocolonial. Il a manqué suffisamment de force pour aller jusqu'au bout, et surtout le peuple n'avait pas, à ce moment-là, à sa tête,
un mouvement suffisamment structuré pour la prise du pouvoir en vue de changer radicalement le système. Mais pour autant, ça a été un mouvement très important qui marque encore les esprits au Burkina. Les gens ont compris qu'ils ont de la force et qu'ils sont capables de se soulever, ils sont capables de faire une insurrection, ils sont capables de descendre dans les rues de manière organisée et massive à l'échelle de tout le pays pour exiger leurs droits. Et ça, cet esprit de lutte est encore présent aujourd'hui au Burkina. Oui, cet esprit, vous avez dit, cet esprit de lutte est encore présent, mais est-ce que vous vous êtes senti finalement trahi par les militaires, c'est ça? Évidemment, ils ont profité de la situation, parce que vous vous rappelez que, je ne sais pas si vous avez suivi bien à l'époque, il y a eu un coup d'État à l'époque. Tout à fait, oui. Après l'insurrection, il y a eu un coup d'État. Le peuple a s'est mobilisé et rejeté le coup d'État. Et c'est ce qui a amené à faire un bricolage institutionnel avec un régime de transition. Et en 2015, il y a eu encore un autre coup d'État mené par Diendéré, qui était le chef du régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré, avec pour objectif, en fait, de réinstaller le clan de Blaise Compaoré au pouvoir. Et ce coup d'État a été massivement rejeté par le peuple qui s'est mobilisé dans toutes les régions du Burkina pour rejeter ce coup d'État. Et je me rappelle, à l'époque même, la CEDEAO avait envoyé une délégation pour faire des médiations. En réalité, ils s'opposaient même pas à ce coup d'État, parce que ça leur permettait de briser l'élan du mouvement insurrectionnel. Donc, vous voyez, c'est que cette expérience est gravée dans les mémoires des gens au Burkina, du peuple au Burkina. Et les gens, quand ça ne va pas, quand ils sentent qu'ils sont piétinés dans leurs droits, ils sont dans la rue, avec des banderoles organisées avec leurs mots d'ordre. Et c'est ce qu'ils ont réitéré, dernièrement. Mais là encore, malheureusement, j'allais dire peut-être, bon, heureusement, malheureusement, c'est encore les soldats qui ont pris finalement le dessus. Oui, mais le processus continue. C'est-à-dire que ils peuvent prendre le pouvoir, ils peuvent gérer le système comme ils l'entendent, mais le peuple, lui, n'est pas dupe. Lui, il voit ses conditions de vie au quotidien. Il voit qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Il voit qu'il meurt de faim. Les populations déplacées qui fuient les zones attaquées par les groupes armés sont dans la grande précarité, dans la grande misère. Et eux, ils voient que même ceux qui prennent le pouvoir, ils ne résolvent pas leurs problèmes. Donc, ils vont continuer ce travail de mobilisation et d'organisation pour mener la lutte jusqu'à atteindre leurs objectifs. Alors, lorsqu'on observe le Burkina, vous avez dit tout à l'heure, une population dans la misère, ben, ceux qui sont aux commandes s'en moquent, ben, ils mènent leur vie comme ils veulent. Et bien avant cela, vous nous avez démontré que finalement, le régime Compaoré collaborait même avec le terrorisme. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Je veux aussi comprendre qu'est-ce qui peut expliquer qu'un État, un gouvernement installé collabore avec les terroristes, dans le même temps la population qu'il gouverne est dans la misère. Bon, voilà, c'est-à-dire que pour comprendre ça, il faut voir que tout ça, c'est une affaire d'intérêt économique. Pour qui? Pour qui finalement? Non, pour ceux qui collaborent avec eux, parce qu'ils sont dans les trafics. C'est des zones où il y a le trafic de marchandises, il y a le trafic de drogue, il y a le trafic d'armes. Et il y a des hommes d'affaires qui collaborent avec ces groupes armés terroristes pour contrôler les zones où se fait ce trafic. Et malheureusement, même au sein de notre armée, il y a des hauts gradés de l'armée qui collaborent avec nous.
Je vous donne un exemple. Deux fois, quand on dit qu'il y a des attaques qui sont en train de se faire dans une zone donnée, alors, les militaires forment un convoi et ils essaient d'arriver. En fait, avant qu'ils n'arrivent, les groupes armés savent déjà l'itinéraire qu'ils ont pris. Parce que, au sein de l'armée, ils ont pu avoir, ils ont des relations. Donc, des gens qui filent les informations aux groupes armés terroristes. Et avant qu'ils n'arrivent, il y a une embuscade, ils sont sur une ligne. C'est très complexe. Alors, mais. Donc, c'est des intérêts économiques. Donc, il y a des gens, ce sont des apatrides, c'est-à-dire que eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le business. Et ces groupes armés aussi, ils font du business. Ils sont dans ils font du business. Lorsqu'on revient sur les djihadistes, au Burkina, par exemple, sur quoi veulent-ils mettre la main exactement? Il y a quoi au Burkina qui intéresserait les djihadistes? Ou sinon ces puissances étrangères qui sont derrière ces terroristes? Alors, il y a des mines d'or. Il y a des mines d'or industrielles. Il y a des mines d'or aussi, des sites d'exploitation artisanale de l'or. Et les zones où les groupes armés terroristes occupent, mais ils ont pris possession de ces sites-là. Actuellement, quand ils chassent les paysans de leur village, etc., mais ils prennent le cheptel aussi. Parce que le Burkina, tout comme le Mali, d'ailleurs, ce sont des grands pays d'élevage. C'est-à-dire que le Burkina, c'est un grand pays d'élevage. Ils exportent le bétail vers les zones côtières où il y a l'élevage n'est pas aussi important comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais aujourd'hui, dans les zones occupées par les groupes armés terroristes, ils s'emparent de ce bétail. Et ils s'occupent. Ils prennent du bétail aussi. Ils prennent du bétail. Ils prennent du bétail aussi. Voilà. Donc, les biens économiques, ça les intéresse. C'est pour ça qu'ils occupent ces territoires. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est des zones où il y a vraiment. C'est des couloirs qu'ils contrôlent pour pouvoir faire le trafic de la drogue. Et c'est à une échelle industrielle, c'est-à-dire que ça génère beaucoup d'argent. Donc, eux, c'est ça. Et puis, certains des milieux économiques, des milieux des affaires, il y a des gens qui collaborent avec eux. Oui, mais c'est vrai, mais. Bon, vous parlez tout à l'heure du bien matériel qu'il vient chercher, mais quelque part, vous nous avez aussi expliqué la complicité qui doit exister ou qui existerait entre ces terroristes et l'armée, puisqu'il y a des officiers qui parfois fournissent des informations. Non, quelques soldats, quelques militaires, voilà, de l'armée, quelques officiers parfois qui collaborent avec ces groupes terroristes. Mais qu'est-ce qui peut justifier, qu'est-ce qui explique que l'armée elle-même, dans son entité, là je parle de l'armée, soit incapable de sécuriser ses paysans? Est-ce que c'est un problème de manque de volonté politique ou du matériel adéquat pour combattre ces groupes terroristes? D'abord, c'est structurel, parce qu'il faut savoir que nos armées sont des armées héritées, qui ont l'héritage colonial. Et les premières armées, après le début des indépendances qu'on a mis en place, c'est des armées formées, structurées, conseillées par l'ancienne puissance coloniale, par la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'ils ont formé une armée qui n'a pas pour objectif la défense de l'intégrité territoriale. Dans sa structure, dans sa formation, dans son équipement, ce n'est pas une armée organisée pour la défense de l'intégrité territoriale, encore moins la souveraineté nationale. C'est des armées
de police intérieure. C'est des armées formées pour aller réprimer un mouvement de grève, pour aller mater des paysans qui se soulèvent dans leur village pour exiger des droits. Donc, c'est des armées structurées pour la répression, mais pas pour la défense du territoire. Si vous remarquez, d'abord, nos armées ne contrôlent pas notre espace aérien. Ce n'est pas par hasard. Notre espace aérien, c'est la France qui a le contrôle. Bon, maintenant, plus au Mali. Au Mali, ça a changé. Parce que maintenant, ce sont les Maliens qui contrôlent leur espace aérien. Mais en tout cas, pour le cas du Burkina, c'est toujours le cas. Or, si tu ne contrôles pas ton espace aérien, quelle vue tu as sur ton territoire, les mouvements de déplacement des troupes, de l'ennemi, tu ne vois absolument rien. Oui, Donc, mais c'est là où je posais la question. Est-ce que là, il y a un problème de volonté politique? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une armée n'arrive pas à sécuriser le territoire alors que c'est ça sa vocation. oui, donc il y a, ouais, vous avez raison, ça a un lien aussi avec une volonté politique, parce que c'est quand même une armée néocoloniale. Vous voyez, c'est une armée qui est l'appareil, dans l'appareil d'État, il a le rôle de défendre le système néocolonial. Maintenant, elle n'est pas monolithique, parce que dans l'armée, il y a des soldats, ce sont des gens du peuple. Ce sont des gens qui ont la vie dure, qui sont en première ligne aujourd'hui face aux groupes armés terroristes. Et ce sont des gens qui ont des salaires de misère aussi. Donc, ces gens-là aussi, ils voient la différence. Et il arrive souvent qu'ils fassent des mutineries pour exiger de meilleures conditions de travail pour eux, pour leur famille, ainsi de suite. Surtout qu'eux, ils voient certains éléments de la hiérarchie qui sont dans les affaires, qui détiennent des magasins, qui font du business, qui, voilà, et eux, ils voient. Et parfois même, ils se rendent compte même l'argent débloqué pour eux est détourné par la hiérarchie militaire. Y compris quand ils sont en première ligne dans les zones où ils font face aux groupes armés terroristes. C'est scandaleux, ils peuvent rester plusieurs jours sans avoir à manger. Donc, vous voyez bien qu'une telle armée, déjà qui ne prend pas soin de ses soldats, ne réunit pas les conditions pour vraiment défendre avec efficacité le territoire. Alors, dans le cas du Burkina Faso, vous nous avez dit tout à l'heure, près de 40% du territoire est occupé par, évidemment, ces groupes terroristes. Maintenant, je suppose que les Burkinabés ont conscience désormais de ce qu'ils vivent, le danger qui guette le pays, ils sont conscients de tout ce qui se passe. Alors, comment arriver à mettre terme évidemment, à ces incursions, à ces groupes armés qui, ben voilà, d'un côté, l'armée est très faible, vous l'avez démontré tout à l'heure. De l'autre, il y a la population qui peut prendre ses responsabilités, mais avec une première expérience que vous nous avez expliquée de 2014, où après, bon, elle a perdu sa victoire. Que faire pour mettre terme à ces groupes armés? Ben, les gens le disent, hein, on va arrêter de fuir, on va faire face, on va s'organiser. Ils réclament même, ils demandent même qu'on leur donne les armes pour qu'ils puissent mettre en place des systèmes d'autodéfense et faire face. Et non seulement ils le disent, mais ils organisent des manifestations pour ça. Y compris même les populations déplacées, ils font des meetings où ils disent, voilà, nous, notre objectif, c'est de retourner chez nous dans nos foyers, reprendre nos maisons, reprendre notre vie, travailler dans nos champs, s'occuper de nos bêtes, etc. Donnez-nous les armes pour qu'on se batte. Donc, c'est ça. C'est cette idée-là qui est en train de cheminer. Et même, il y a des zones où ils disent pas, ils se sont armés et ils font face aux groupes armés dans ces zones, ils leur tiennent tête et ils viennent plus.
Mais on ne craindrait pas dans L'Europe cette est en train situation. de changer. Mais est-ce que dans cette situation, il ne faut pas craindre qu'il y ait, par exemple, des conflits qui naissent de partout entre les populations, voilà, et parce que chacun serait armé, peut aller créer le trouble quelque part. Et un peu, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'il y a une organisation à ce niveau pour ceux qui veulent, bien entendu, Oui, assurer l'autodéfense? bien sûr, c'est organisé. C'est organisé. C'est vraiment organisé. C'est pas de façon anarchique, quoi. Parce que pour en arriver à cette prise de conscience, qu'on est ensemble, qu'on doit se défendre. Mais pour le faire, il faut qu'on s'organise. Oui. Non, non, c'est pas un mouvement qui est décidé comme ça, à la légère, de façon spontanée. Voilà, non, non, c'est vraiment dans un processus de maturation pour en arriver à l'idée qu'il faut se défendre. Et pour se défendre, c'est des gens qui sont armés, il faut leur faire face aussi avec des armes et savoir se battre. Que pensez-vous finalement du retrait annoncé, bah, puisque ça a été exécuté, le retrait donc les forces militaires étrangères, je parle là de Barkhane, je parle de la force britannique, suédoise. Vous pensez qu'elles sont parties pour toujours ou c'est, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est peut-être un repli tactique? Oui, peut-être, mais en tout cas, quand ils ont quitté, ils ont été au Niger à côté. Ils ne sont pas loin. Donc, voilà. Et puis, la France ne renonce pas à l'idée de partir de l'Afrique. Ça, partir de l'Afrique, c'est perdre des intérêts énormes, gigantesques. Et pour rien au monde, ils vont lâcher ça comme ça. Ça va être la lutte des peuples d'Afrique qui auront le dernier mot pour les obliger vraiment à partir. Parce que Barkhane, ils ont traîné les pieds avant de quitter le Mali, mais ils ont juste passé la frontière et ils sont au Niger. Et ils ont même fait des négociations aussi avec l'ENA pour pouvoir installer une base militaire française là-bas. Oui, mais Donc, maintenant que c'est maintenant que ces troupes. c'est comme un redéploiement, en sorte. D'accord. Alors, mais maintenant que ces troupes sont parties, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, à même de vous battre vous-même contre le terrorisme ou bien Ce que je constate, c'est que depuis qu'ils sont partis du Mali, les forces armées maliennes, quand même, ont enregistré des victoires importantes ces derniers temps. Ils ont détruit plusieurs bases des groupes armés terroristes. Et aujourd'hui, ils se sont équipés aussi en drones, en moyens aériens, pour contrôler l'espace aérien de leur territoire, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, il y avait même des zones qui étaient interdites à l'armée malienne. Une ville comme Kidal, qui est vraiment un des bastions utilisés par les groupes armés terroristes, notamment le MLNA, c'était interdit à l'armée malienne. Monsieur Dragos Ouedraogo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Oui, nous avons parlé du Sahel, nous avons parlé du Mali, du Burkina Faso. Mais quel regard portez-vous sur l'Afrique centrale? Alors, l'Afrique centrale, moi, j'ai un regard, je vois des régimes corrompus, des dictatures, des gens qui sont là depuis des années, qui organisent des élections bidons avec des fraudes électorales massives, qui pillent les richesses de leur pays. C'est parce que l'Afrique centrale, c'est quand même aussi des ressources agricoles, minières importantes. Mais malheureusement, tout ça, c'est pas utilisé et redistribuer correctement pour permettre aux populations de vivre dignement, d'avoir la santé, l'éducation. Voilà. Donc, c'est ce type de régime qui règne là. Alors, l'autre regard que je porte aussi, c'est du côté du mouvement populaire des luttes des peuples. Donc, je pense que
tout comme en Afrique de l'Ouest, le peuple là-bas, la jeunesse, à travers les villes et les campagnes, voilà, c'est, pour avoir leurs droits, c'est se mobiliser, c'est de s'organiser et de se battre pour acquérir ces droits. Et il y a des mouvements. J'avais suivi des mouvements populaires au Gabon pour dénoncer la fraude électorale massive que le Congo avait fait pour pouvoir gagner le scrutin. Et je suis aussi quelquefois des mouvements, des mobilisations populaires à RDC ou au Congo-Brazza, voilà, pour exiger des droits, tout simplement, même avoir l'eau potable. C'est scandaleux que vraiment dans ces pays qui ont un potentiel énorme. Alors, contre que vous parlez évidemment du Congo-Brazzaville, il y a M. Denis Sassou Nguesso qui règne de main de fer depuis 40 ans hein, sur le Congo-Brazzaville. Et il est actuellement à la tête, je crois, du comité de haut niveau, un truc du genre. Alors, quel est le regard que vous portez sur cette personnalité, pensez-vous? Quelle est la personne qu'il faut pour, par exemple, la gestion de ce genre de crise hein, ou... Non, franchement, non. C'est juste, voilà, c'est juste pour se donner une image de médiateur. C'est tout comme Blaise Compaoré, qui jouait au médiateur des conflits en Afrique, alors que c'est lui qui met le feu. Le Burkina, du temps de Blaise Compaoré, il avait participé à la guerre civile qui a ensanglanté le Libéria, qui a ensanglanté aussi le Sierra Leone. Il était derrière les groupes armés terroristes qui faisaient du tort au Mali. Et en même temps, c'était lui qui était le médiateur des conflits. Voilà, il se donnait une image, mais c'est la même chose. Comment un gars comme ça qui muselle son peuple, qui est vraiment, qui personnifie la dictature vraiment à son niveau le plus bestial, comment ce type peut être un faiseur de paix, quoi? C'est pas possible. Bon, maintenant, il est sans doute, instrumentalisé par les grandes puissances qui font croire que l'Afrique aussi participe à la résolution des conflits qui se passent en Afrique. Donc, on va mettre quelques Africains dedans, mais tout en sachant que c'est eux qui, quand même, tirent les ficelles derrière. Donc, c'est juste, voilà, lui, il peut essayer d'en tirer une gloire, mais fondamentalement, moi, j'attends rien de bon de ça. C'est vraiment, c'est de la comédie du lest. Est-ce que vous pensez que dans la recherche de solutions, bien entendu, à la crise sécuritaire, j'allais dire en Afrique, mais particulièrement au Sahel, le panafricanisme peut être une alternative hein? Moi, je dirais plutôt la solidarité de lutte entre les peuples d'Afrique. Et c'est un mouvement. Parce que quand la CEDEAO avait pris une mesure de rétorsion contre le Mali, c'est-à-dire fermeture des frontières, gel des avoirs du Mali, l'Union monétaire, West Africa, etc. Il y a eu des mouvements de protestation dans plusieurs pays d'Afrique. Des manifestations pour dénoncer cette mesure criminelle contre le Mali. C'est ça la solidarité. Et quand la jeunesse et le peuple malien étaient dans les rues pour exiger le départ des troupes françaises, le même mouvement s'est déployé au Burkina, au Niger, au Tchad, etc. Donc, les luttes des peuples se soutiennent mutuellement. Donc, c'est ce contenu-là que moi je donne au panafricanisme. Mais le panafricanisme qui est juste un prêt à porter, juste pour parader, non. Parce qu'on ne peut pas être panafricaniste et ne pas avoir un engagement, une implication concrète dans les luttes dans son pays pour faire avancer les choses, pour un changement. Mais si c'est juste dit, je suis panafricaniste, et puis voilà, c'est tout. Non, moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais je constate en tout cas qu'aujourd'hui en Afrique, cet élan de solidarité est réel. Il est réel. Les gens communiquent plus facilement aussi. Ils sont rapidement au courant des choses. Quand il y a un mouvement qui se déclenche dans les rues de Niamey,
Au Burkina, les gens le savent. À Bamako, les gens le savent. Au Tchad, les gens le savent. Et juste dans la RDC, les gens le savent. Dans un pays comme le Burkina, du point de vue des traditions de lutte historique politique du pays, il y a pu avoir des acquis qui ont permis qu'il y ait relativement de liberté de manifestation, d'organisation. Et c'est que quand on arrive au Burkina, il y a un tissu mais impressionnant d'associations dans tous les secteurs. Il y a un mouvement syndical structuré, organisé dans tous les secteurs économiques et sociaux. Tu as des organisations de jeunes, même sur le plan culturel, tu as diverses associations. Donc, la tradition de la vie associative est ancrée. Bon. Donc, la manière dont les luttes peuvent se développer dans un pays comme ça, ce n'est pas la même chose que dans un autre où il y a une absence totale de liberté pour permettre aux gens de s'organiser et d'évoluer. Voilà. Alors, donc, quand on dit panafricain, on n'a rien dit, en fait. Quelle est la situation concrète dans chacun des pays? Maintenant, la solidarité de lutte des peuples d'Afrique, c'est une nécessité. Pour que, quand ça bouge quelque part, les autres se mobilisent et soutiennent. Quand au Congo, on apprend qu'il y a des massacres de populations dans le Boule, les organisations des autres pays peuvent se mobiliser, dénoncer cette répression et soutenir le peuple congolais qui vit cette tragédie-là. Donc c'est ça, moi je suis plus dans une dynamique d'appui, de soutien, d'échange d'informations et d'expériences entre les organisations dans les différents pays que de me contenter de lancer un slogan sur le panafricanisme qui, si on en reste là, on n'a pas avancé quoi, en fait. Merci Monsieur Dragos Ouédraogo. Lorsque je vous ai présenté, je disais également que vous êtes un cinéaste engagé. On va parler un peu du cinéma, puisque c'est votre domaine. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui est Monsieur Ouédraogo? C'est vrai qu'au départ, j'ai fait une présentation, mais succincte. Qui est Monsieur Dragos Ouédraogo? Alors, je suis un universitaire, c'est un chercheur, mais je suis aussi un artiste. Donc, je suis cinéaste réalisateur, je fais aussi de la musique, je suis conteur, donc je suis aussi dans ce domaine-là. Mais quel que soit le domaine d'activité où j'agis, le fil conducteur, c'est quand même l'engagement citoyen, l'engagement pour le changement, pour nos voeux, pour les libertés, pour les droits, etc. C'est pour ça que je suis un des membres du mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, voilà, depuis sa fondation en 1989. Oui, mais est-ce qu'on peut parler un peu de vos œuvres, de quelques-unes, bien entendu? Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé 16 films. 16 films. Voilà. Donc, je vais vous donner juste quelques films. J'ai fait un film sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998, justement par le régime Compaoré. Parce que il avait créé un journal qui s'appelait L'Indépendant et il s'était vraiment spécialisé dans le journalisme d'investigation. Faisait des révélations sur les cas de détournement et notamment aussi les cas d'assassinat de citoyens, et ainsi de suite. Et il a été assassiné pour ça, par des membres du régiment de sécurité financière. Et moi, ça a suscité vraiment une indignation, une colère monstre avec des grandes manifestations dans le pays. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de faire un film sur ça. Non seulement pour montrer cet assassinat crapuleux, mais aussi montrer les grandes mobilisations populaires du peuple qui exigeait la vérité et la justice
sur cet assassinat. Bon, c'est un film documentaire de 90 minutes. J'avais sillonné le pays à l'époque parce qu'au-delà du cas emblématique de Nanterre-Senghor, j'ai voulu aussi montrer d'autres cas d'assassinat. Et donc, j'ai sillonné le pays et allé à la rencontre de familles, de gens qui ont eu des membres de leur famille assassinés pour recueillir leurs témoignages de leur humiliation. Donc, ça, bon, j'ai fait aussi un film sur ce qu'on appelle les tireurs sénégalais. Le titre de ce film, c'est Martyrs oubliés. Parents et grands-parents qui sont venus, qui ont été recrutés dans l'armée française pour les deux guerres mondiales et qui, malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance parce que on a vu comment pendant longtemps ils étaient payés moins que rien au niveau des pensions. Et alors que leurs collègues, leurs frères d'armes français, le salaire, c'est pas la même chose, c'est de 1 à 10. Et comme certains d'entre eux me l'ont dit au moment où je faisais le film, à la guerre, nous, on était devant. Maintenant, à la fin de la guerre, nous, on est derrière. Donc, j'avais fait Voilà. un film. Et un des derniers films que j'ai fait au Burkina, c'est sur le pillage, justement, de l'or. Parce que depuis les années 2000, on parle de boom minier au Burkina. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'or, les multinationales vraiment viennent de partout pour extraire ce minerai. Malheureusement, il y a l'envers du décor. Cette exploitation minière ne profite nullement au Burkina. Donc, ce film, je l'ai fait pour donner la parole aux ouvriers, aux travailleurs de ces mines, pour qu'ils témoignent de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et que on se rend compte que voilà, on a des richesses, mais elles ne profitent pas. Parce que quand on va dans ces zones-là, les villages qui sont autour, c'est des zones où il n'y avait pas d'eau potable. En plus, l'eau est contaminée par le mercure rejeté par l'exploitation minière. C'est ce type de film que je fais. En ce moment, je suis en tournage ici. À Bamako, au Mali, qui fait un film sur la médecine traditionnelle au Mali, qui est vraiment importante et pour montrer les savoirs aussi que nos sociétés ont produits par rapport à la connaissance des plantes médicinales pour soigner les maladies et qu'il faut le valoriser, il faut le développer pour qu'il puisse s'intégrer dans notre système de santé publique. Merci, monsieur Ouédraogo, dont l'espoir, bien sûr, que la crise que traverse le Sahel actuellement soit également un thème pour un prochain film, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Dragos Ouédraogo. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir reçu sur notre plateau. Et je vous accorde donc quelques 2 secondes pour conclure. Probablement que vous avez un mot de la fin. Voilà, d'abord, des remerciements pour votre chaîne de télé et tout le travail important que vous faites pour vraiment informer sur ce qui se passe en Afrique, sur les peuples d'Afrique, sur le continent. Ça, c'est très important et vraiment, je vous encourage à continuer. Et aussi, le mot de la fin, c'est que c'est la solidarité entre les peuples d'Afrique. Moi, j'ai espoir, j'ai confiance. Je sais que nous sommes sur un chemin historique et irréversible. Les peuples d'Afrique vont obtenir leur libération, leur souveraineté pleine et entière. Même si la situation est complexe, l'espoir est au bout. En tout cas, merci. Comme qui dirait, seule la lutte libère. C'est la fin donc de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre. Merci de nous avoir consacré votre attention. Likez et partagez comme d'habitude. Et je vous l'ai toujours dit, je ne cesserai de vous le rappeler. Nous avons besoin de votre concours pour faire beaucoup mieux. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.